C'est depuis le village de Aholé que les militantes et militants du PNDS Taria sont sortis en masse pour accueillir le président du comité exécutif national CNPNDS, El Hadj Fouma Kouegado, à la tête d'une importante délégation. Le président du PNDS Taria a d'abord pris un bain de foule à la place Phil Nabula, où les jeunes du PNDS ont organisé ce grand meeting à son honneur. Ce samedi 21 janvier 2023 est un jour mémorable pour nous, où nous célébrons la brillante élection de notre leader bien-aimé El Hadj Fouma Kouegado comme président du PNDS Taria à l'issue du 8e congrès ordinaire de notre grand parti. En plus du président du CEN, d'autres parmi nos responsables politiques ont été élus à l'instance suprême de notre parti, notamment Madame Hosseini Adizatou Yacouba, dite Madame Odje, et Monsieur Boubacar Sabo. Au nom de notre structure OJT, je les adresse toutes mes félicitations et mes vœux de réussite dans leurs responsabilités. Rassemblement le premier du genre équivaut tout son pesant d'or à marteler le coordinateur départemental OJT de Douti. C'est un honneur pour toutes les militantes et militants du PNDS Taria. Nous exprimons à tous ces responsables politiques des succès dans leur noble mission, l'élection du camarade Fouma Kouegado à la tête du sein de notre parti nous oblige à plus de résultats pour relever le défi des élections futures. Intervenant en Hausa, les responsables PNDS Taria du département de Douti, le président national de l'OIJT, la présidente du bureau exécutif fédéral de Dosso, Mme Hosseini Hadize Yacouba, tous ont exhorté les militantes et militants à redoubler d'efforts, de travailler sans relâche pour le rayonnement du parti et surtout doubler, voire tripler les résultats obtenus lors des élections passées. Prenant la parole à son tour, le président du PNDS Taria, El Hadj Fouma Kouegado, a livré plusieurs messages relatifs à la bonne cohésion, l'unité entre les militants, de cultiver davantage l'excellence et le travail bien fait. Après des séquences d'animation des différents artistes, l'organisation des jeunes PNDS Taria OJT de Douti a décerné des témoignages de satisfaction à des personnalités du parti, notamment l'ancien président de la République, Issouf Mamadou, l'épouse du président du comité exécutif national, Mme Fouma Kouenana Echatou, et la présidente du bureau exécutif fédéral de Dosso, Mme Hosseini Hadize Yacouba. Pour joindre l'utile à l'agréable, El Hadj Moumouni Mbajou, militant de première heure de PNDS Taria, a fait un don de 3 ambulances et un véhicule corbillard au CSI de la zone, véhicules qui ont été présentés justement au président du parti El Hadj Fouma Kouegado. Dans l'après-midi, une course cycliste a été organisée dont le top départ a été donné depuis Matankari et le point de chute, la ville de Douti. Plusieurs prix ont été octroyés aux 4 premiers, des prix d'encouragement et des prix sociaux également aux enfants, cette fois-ci des cyclistes décédés. Bref, toutes ces activités organisées par l'organisation des jeunes Taria de Dogon Douti ont été un succès sur toutes les lignes. La